Hello à toutes, salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais aussi dire bienvenue à toutes les nouvelles, on est de plus en plus nombreuses sur ma chaîne, ça me touche énormément, donc merci à toutes celles qui sont fidèles déjà depuis le début, qui sont là à chaque fois sous mes vidéos en commentaire, qui likent, qui partagent, qui soutiennent, qui m'envoient de pleine force pour pouvoir continuer à partager encore et encore. Donc enfin, c'est vraiment ma plus belle récompense en fait. Et c'est ce qui me motive à vous filmer des vidéos, vous filmer des petites routines et de vous partager un petit peu de mon quotidien. Donc on se retrouve désormais maintenant sur ma chaîne deux fois par semaine. Le vendredi à 18h, donc premier rendez-vous. Et le second rendez-vous, donc le dimanche à 14h. Donc pour celles qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour pouvoir être prévenue dès que j'édite et que je publie une nouvelle vidéo. Je vous embarque donc avec moi dans cette journée de nettoyage. Donc c'est une routine que je me force vraiment à maintenir pour éviter d'accumuler. Mais surtout tout ce qui est four, tout ce qui est micro-ondes, ça a tendance à vite s'encrasser. Et si on ne nettoie pas régulièrement, on se retrouve avec des fours vraiment catastrophiques. Donc j'essaie là, en plus mon four est neuf, donc je m'oblige à nettoyer régulièrement en fait pour le laisser le plus longtemps possible dans un bon état. Donc là j'ai commencé par ma plaque de gaz et j'en profite pour tester d'ailleurs ce produit que j'ai pris à Action. Je vous l'avais partagé dans mon retour de course que je vous avais filmé sur ma chaîne YouTube et je peux vous dire qu'il est vraiment top. Donc là je l'ai testé pour la plaque de gaz. À savoir que je vais bannir en fait, là j'essaie petit à petit de réduire avec l'eau de Javel. Donc j'ai encore du mal avec la vaisselle, donc j'en mets toujours un tout petit peu dans la vaisselle, donc surtout quand je cuisine les œufs, etc. Mais là vraiment pour le nettoyage de la plaque de gaz, c'est vraiment à éviter parce que ça fait rouiller la matière, ça écaille et ça abîme vraiment. Donc là ce produit là il est vraiment génial, j'ai juste vaporisé comme vous avez pu voir, j'ai laissé agir quelques minutes. Et là, il y a tout le gras qui est remonté. Je vais vous montrer juste après. Il a fallu vraiment d'un coup de chiffon pour enlever tout le gras accumulé. Pendant que mon produit repose sur ma plaque de gaz, je vais m'attaquer au fameux tiroir des ustensiles de cuisine. Donc tout ce qui est fourchette, couteau, cuillère, etc. Je ne sais pas vous, mais ce tiroir, il se salit à une vitesse. Donc bon, il est juste en dessous de la plaque de cuisson. On a tendance à cuisiner, puis ouvrir le tiroir, prendre une cuillère avec les mains. Ben voilà, plein d'épices, plein de nourriture. Donc il se salit hyper vite. Et là, pareil, en fait, si on ne passe pas un coup régulièrement, déjà, ce n'est pas hygiénique. Parce que voilà, on pose les couverts, les couteaux, les fourchettes, etc. avec lesquels on mange. Et ça se salit très, très, très vite. Donc pareil, là, dès que je peux, j'enlève tout. Je passe un bon coup de propre. Donc là, il faisait beau, j'en ai profité pour faire ça à l'extérieur. Et je replace tous mes ustensiles. Et cette fois-ci, là, j'en ai même profité pour pouvoir trier toutes les fourchettes, cuillères, couteaux, etc. Que j'avais dépareillé. Donc voilà, en plus, j'ai envie de changer mon service là en ce moment. Donc j'en ai profité pour faire un grand tri.
Le produit a eu le temps de bien poser et franchement, je valide pour la plaque de cuisson. Il est vraiment génial, donc même pas besoin de frotter, d'utiliser de la javel, etc. ou des produits agressifs qui vont abîmer votre plaque de cuisson, surtout le noir. Ben voilà, ça se voit directement quand ça s'écaille, quand ça commence à rouiller. Enfin, la javel, je sais que voilà, mon ancienne plaque qui était blanche, elle n'a pas fait long feu. Elle a vite rouillé à force d'utiliser avec la javel. Ben, je pulvérisais à chaque fois de la javel. À chaque fois que je finissais de cuisiner, ben, je mettais un coup de javel, j'essuyais, pensant ben, bien nettoyer. Ben, au final, ben, j'ai plus abîmé qu'autre chose. Donc là, j'ai juste passé un coup de lingette. J'ai moussé un petit peu le produit qui est resté. Et là, donc avec un chiffon que j'ai humidifié avec de l'eau, je passe un coup pour enlever le surplus de produit. Et ce que je fais pour avoir une plaque qui brille, c'est que je pchit-pchite un petit peu de produit pour les vitres. Voilà, pour éviter d'avoir les traces de doigts, etc. Et d'avoir une plaque, ben, vu qu'elle est noire, bien brillante. Place maintenant au nettoyage du four. Donc malgré qu'il soit neuf, ça fait quelques mois que je l'ai, j'ai quand même réussi à le salir. Donc il y a des éclats, ben, forcément, hein, des éclats en fait ben, de gras qui ont sauté un petit peu sur les parois. Donc là, comme vous voyez, je fais pareil avec le produit d'action, je pulvérise un petit peu et je vais laisser agir. Il enlève vraiment le surplus de gras. Là, pour le four, j'ai pulvérisé le produit sur la vitre. J'ai laissé poser parce que j'avais du gras un petit peu collé aussi sur la vitre. Et pendant ce temps-là, je vais m'attaquer au nettoyage du micro-ondes. Pour le micro-ondes, j'essaie de faire ça vraiment le plus souvent possible puisque je l'utilise ben, tous les jours. Ce qui se passe en fait dans le micro-ondes, c'est qu'on a des bactéries, des microbes à l'intérieur du micro-ondes sur les parois qui résistent à la chaleur. Donc, il faut vraiment le nettoyer souvent et utiliser, vous savez, le couvercle qu'on utilise en fait pour couvrir les aliments. Pour pouvoir ben, couvrir vos aliments, en fait, éviter les éclaboussures et ben, la prolifération de bactéries et de microbes. Donc là, j'ai commencé par nettoyer avec du savon de Marseille, de l'eau. Donc avec mon éponge, j'ai bien frotté donc pour enlever ben, tout le surplus d'éclaboussures, de nourriture, de gras, etc. J'ai rincé avec un chiffon humide et je vais vous partager une petite astuce pour bien désinfecter votre micro-ondes.
Pour nettoyer ma grille et la plaque de four, j'utilise le carré pris chez Action, aussi déjà imbibé avec du produit. Donc, il y a juste à humidifier l'éponge, en fait, et vous avez le produit déjà à l'intérieur. Et ça enlève vraiment le gras bien incrusté, en fait, sur ce genre de plaque. Donc, moi, pour ma part, ça n'a pas rayé. Donc, vérifiez bien sur vos plaques et sur vos surfaces. Mais moi, perso, ça ne m'a pas rayé. Donc, très satisfaite de ces petites éponges. C'est pas cher en plus, je crois que c'est un paquet de 6, même plus, à moins d'un euro. Et ça, je le fais très souvent. Donc, je prends juste un bol avec un demi-citron. Donc là, il me restait un citron qui est en train de vieillir tout seul dans son coin. Donc, je m'en suis servi pour faire mon nettoyage. Si vous n'avez pas de citron, vous pouvez très bien aussi utiliser du vinaigre. C'est tout aussi efficace. Vous mettez un petit peu d'eau dans ce mélange et vous mettez à chauffer dans votre micro-ondes. Là, j'ai mis à peu près pour 3 minutes, histoire que ça chauffe bien et que ça désinfecte vraiment toutes les parois du micro-ondes avec la buée, vous savez, avec l'acide du citron. Mais vraiment là, ça a bien recouvert toutes les parois, le dessus aussi du micro-ondes qui a tendance à être bien sale avec les éclaboussures, surtout quand on fait fondre du beurre ou les pâtes, par exemple, à la sauce tomate. La sauce tomate, ça a tendance à sauter de tous les côtés. Donc voilà, petite astuce pour bien nettoyer et désinfecter votre micro-ondes. C'est vraiment super important. Le produit d'Action enlève bien tout le surplus de gras, mais ce qui était bien incrusté dans les parois, j'ai dû utiliser l'éponge carrée d'Action, donc la même que j'ai utilisée pour mes plaques. Donc là, j'ai essayé sur un petit côté, j'ai vu pareil que ça ne rayait pas mes parois du four, donc j'ai continué et j'ai fait vraiment tout l'intérieur avec. Et ces petites éponges, vraiment, elles sont géniales. Pas besoin d'effort, pas besoin de frotter pendant des heures ou d'y mettre toute sa force. Vraiment un petit passage en frottant avec ces petites éponges et ça enlève tous les éclats de gras bien incrustés.
Avoir son four clean, c'est avoir le sentiment d'avoir toute sa cuisine qui est clean. Et inversement, quand on a notre four mais qui s'encrasse, on a l'impression que toute la cuisine est en bazar. On a beau nettoyer tout le reste, si le four reste encrassé, on a cette impression en fait de malaise, que rien n'est à sa place et que tout est sale. Donc vraiment important, moi j'essaye vraiment au maximum de pas trop laisser traîner sur tout le four pour vraiment avoir cette sensation de propreté, d'être à l'aise dans sa cuisine. Autre poste très important, la machine à café qu'on utilise tous les jours. Donc pareil, là si on nettoie pas régulièrement, mais la prolifération de bactéries, surtout vous savez dans les petits récipients où le café coule et stagne, donc ça peut aller très vite. Donc c'est pour ça que j'essaie de nettoyer dès que je peux. Donc c'est pas tous les jours, c'est les 2 jours, tous les 3 jours maximum. Pour les capsules de café, je vide le marc de café et je le garde soit pour les plantes, donc soit les plantes extérieures, si vous avez des plantes d'intérieur, soit d'extérieur. Donc vous mettez ça dans la terre, vous arrosez vos plantes, c'est bon pour les plantes. Sinon, je garde et je mets dans les canalisations. Ça aide à combattre les mauvaises odeurs. Je la nettoie de l'extérieur et de l'intérieur. Je fais simplement couler de l'eau. Donc, je sais qu'il y a un produit qui existe, mais j'ai jamais testé. Certains aussi conseillent de mettre du vinaigre. Pas sûr du résultat et j'ai un petit peu peur de la casser. Donc, je fais couler jusqu'à avoir de l'eau bien claire. Monsieur a vu que je faisais que frotter et là, j'ai vu qu'à un moment, il commence à tourner un petit peu autour, en fait. Vous voyez, quand le mari, les enfants commencent à tourner un petit peu comme ça autour dans la cuisine, ça veut dire qu'ils ont faim. Donc là, il a suffi juste d'un regard pour qu'ils comprennent, en fait, que je n'allais pas cuisiner, en fait, que je n'allais pas, que j'allais amortir, en fait, ce ménage, ce nettoyage. Donc, monsieur m'a gentiment proposé des menus. Donc, j'ai pas dit non. Ce jour-là, vraiment, je voulais garder le plus longtemps possible, profiter d'une cuisine propre, vraiment bien propre et qui sent bon. Donc, on a profité pour manger, faire une pause, reprendre des forces devant mon feuilleton préféré, ma série de tous les temps. Et comme je vous l'écris là, c'est une série devant laquelle je ne peux pas me retenir de pleurer. Subhanallah, dès que je vois cette série, je pleure. Je sais pas, elle est tellement pleine de valeurs, de principes, d'amour, de bienveillance que voilà. Allez, reprise, je m'attaque au prochain placard, les épices. Placard qui se salit très vite. Donc quand on cuisine, on a les mains souvent soit pleines d'huile, soit pleines de nourriture. On prend nos petits flacons d'épices, on essaie tant bien que mal d'essayer d'épicer en fait avec les mains sales. On remet ça dans le placard et voilà, ça s'accumule très vite. Donc là, j'en profite pour faire un tri aussi, pour re-remplir les petits flacons vidés, de passer un bon coup de propre juste avec du savon de Marseille et de l'eau. J'arrive vers la fin de mon nettoyage cuisine et ce que je fais donc en dernier, c'est que je nettoie à fond mon évier. Je remplis un des bacs avec de l'eau chaude
et j'y verse deux bouchons d'Ajax. Donc soit d'Ajax, soit de Monsieur Propre, mais vraiment un produit bien fleuri, bien concentré pour diffuser une bonne odeur de frais dans toute la cuisine. J'en profite pour nettoyer aussi avec ce mélange toutes les façades de mes portes de placard. Et pour les plantes de travail, j'utilise de l'eau, du liquide vaisselle et j'en profite en fait pour savonner et nettoyer tous les plantes de travail. D'ailleurs, au passage, petit retour sur les plantes de travail blancs. Je l'avais pris donc à Brico Dépôt, je vous l'avais partagé dans une vidéo où je faisais un petit peu la rénovation de ma cuisine. Et pour vous dire vraiment, c'est nickel. Bon, j'avais peur, j'appréhendais vraiment d'avoir un plan de travail blanc, mais j'en voulais absolument un blanc pour avoir ce côté lumineux. Mais vraiment, mis à part le curcuma, voilà, qui a tendance à tacher facilement et à s'imprégner si on ne le nettoie pas de suite. Mais sinon, c'est nickel. Voilà, pour tout ce qui est sauce tomate, café, etc., ça se nettoie super bien. Coup de propre pour le filtre de la hotte, donc j'en profite pour l'enlever. Je remplis d'eau, je mets un petit fond de savon de Marseille, un petit peu de bicarbonate et je laisse mon filtre à peu près 30 minutes avant de le frotter. Je laisse le filtre bien sécher toute la nuit et je le remettrai seulement le lendemain matin avant d'utiliser de nouveau ma hotte. J'espère vous avoir envoyé un petit peu de motivation à travers cette vidéo. Et en attendant plein d'autres vidéos, Inch'Allah, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.